la circulation des deux sèves, c'est quelque chose d'important quand même à comprendre. Avec cette sève brute qui monte à l'intérieur dans le bois, et cette sève élaborée qui redescend à l'extérieur tout le temps, en permanence à l'extérieur, juste sous l'écorce. Donc il y a ces deux flux, un flux montant et un flux descendant dans le végétal. C'est absolument indispensable de comprendre ça. Alors, la plante, c'est un système hydraulique sous tension. Sous tension, c'est-à-dire, c'est quoi la tension? C'est l'inverse de la pression. La pression, vous voyez, si on met de la pression, c'est positif à l'intérieur de la plante. Donc il y a certains moments où il y a des petites pressions dans la plante, mais la plupart du temps, c'est une tension. Une tension, c'est comme quand vous aspirez dans une paille. Donc c'est la tension, c'est la pression à l'inverse. D'accord? Vous comprenez ça quand je vous dis ça? Donc si on mesure en bar, c'est en moins quelque chose. D'accord? Une pression, c'est plus 1,5 bar, et une tension, c'est moins 1 bar. D'accord? Ok, donc une plante, elle fonctionne, le principal moteur de circulation de la sève, c'est l'évapotranspiration. C'est pas le premier des moteurs, c'est pas celui qui attaque au printemps, mais dans le fonctionnement de la plante et dans le fonctionnement de circulation des sèves, c'est la tension qui est prépondérante. Cette tension, elle fait circuler donc cette sève brute. De manière très rapide, alors plus ou moins rapide suivant les végétaux. Il y a des végétaux qui sont dits à port diffus, comme les érables ou le tilleul, c'est-à-dire avec plein de petits canaux qui sont tout assez homogènes, donc des vaisseaux qui font la même taille le printemps et l'été. Et puis il y a des végétaux qui sont dits à zone poreuse, donc on va avoir des gros vaisseaux au printemps et puis des petits vaisseaux l'été. Donc en fait, ça, c'est des stratégies de vie qui font que la plante, elle est capable de faire circuler plus ou moins de sève et de résister plus ou moins aussi à la sécheresse derrière. C'est toute une stratégie. Donc ces flux d'eau générés par l'évapotranspiration, ils ont plusieurs fonctions comme je le mets là. Donc l'absorption des minéraux, elle est logique, mais quelque chose qui est très important, c'est le contrôle thermique de la plante. C'est-à-dire qu'une plante, mécaniquement, avec les flux solaires qu'il y a dessus, elle devrait monter très très haut en température. Et si elle montait très haut en température, elle brûlerait en fait. Le cambium ne serait pas capable de tenir comme un matériau inerte à 50-60 degrés. Si vous touchez un arbre et qu'il est plus frais que la plupart de ce que vous touchez à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un flux d'eau à l'intérieur qui le refroidit en permanence. Donc ça, c'est une action prépondérante dans la circulation. C'est-à-dire que finalement, la croissance et le besoin de circulation ne représente que 1% de la circulation et du besoin. La chose principale, c'est d'abord le contrôle thermique de la plante et de capter le CO2 de l'air. C'est-à-dire que c'est par évapotranspiration, donc elle va à chaque fois s'évaporer, et en s'évaporant, elle va créer une place qui va faire rentrer du CO2 dans la feuille. Et donc on a cet échange permanent entre le CO2 et l'eau qui fait que la plante non seulement récupère du carbone, mais en plus de ça, limite sa température et continue de stocker des minéraux issus de la sève brute. Ça va ? Cette tension-là, on peut la mesurer dans les plantes, c'est assez rigolo. On a fait ça à l'INRA de Clermont-Ferrand, là, sur une feuille de noyer. Sur une feuille de noyer, alors on met la feuille de noyer dans un espèce de bocal hyper hermétique blindé, et on fait l'étanchéité autour du pétiole. Vous voyez, le pétiole, c'est là où est attachée la feuille. Et donc, on fait l'étanchéité, on ferme ça, et puis après, on met sous pression avec une pompe manuel, et puis on va regarder à la loupe, juste à la sortie du pétiole, on met en pression, jusqu'à ce qu'on voit de l'eau arriver à fleur du pétiole. C'est-à-dire que l'eau qui était sous tension, mécaniquement, vous imaginez, quand on a enlevé la feuille, quelque chose qui est sous tension, j'aspire, je coupe, paf, je fais rentrer de l'air, d'accord? Donc l'eau, quand elle était sous tension, elle était liquide, tout d'un coup, je coupe, je fais rentrer de l'air. Donc l'eau redescend, comme si elle changeait de pression, donc du coup elle change de volume. Donc du coup elle se retire. Et là, en la remettant sous pression dans la petite boîte, en gonflant, on la remet sous pression, on la remet en regardant justement au moment où l'eau va arriver sur le pétiole, on la remet à la pression qu'elle avait au moment où on l'a coupée. Donc là, ça nous permet, en mettant cette pression-là, au moment où l'eau se retrouve à ras du pétiole, de savoir exactement quelle était la tension dans la feuille avant qu'on la détache.
D'accord ? Donc, alors, incroyable quand même de savoir qu'on a fait ça sur une feuille de noyer au mois d'avril à l'INRA de Clermont-Ferrand. C'était un mois d'avril où il faisait sec. On a trouvé moins 20 bars. Moins 20 bars. Moins 20 bars. Moins 20 bars. Un bar, c'est 1 kg au centimètre carré. 20 kg au centimètre carré. 20 bars, c'est un truc qu'on aurait du mal à mettre dans un pneu de tracteur. Hein ? On met 2 bars dans un pneu de voiture. Donc, moins 20 bars, c'est considérable. Moins 20 bars. Alors, ça m'a scié complètement parce que je me suis dit, mais moins 20 bars. Imaginez que vous mettez moins 20 bars dans une paille. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Elle est plate. Le vaisseau, il collapse, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même que la plante soit capable de tenir ouvert ses vaisseaux à moins 20 bars. Et donc ça, suivant les végétaux, il y a de l'eau dedans. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'eau qui participe à ça. Mais en fait, c'est ça que l'on appelle chez une plante, c'est quelque chose que vous connaissez, mais qu'on n'interprète pas de cette manière-là, c'est le phénomène de turgescence. Vous voyez vos plantes tomates qui, quand il manque d'eau, se flétrissent et se retrouvent à rebaisser. C'est par excès de tension qu'ils se retrouvent à baisser comme ça. C'est parce que justement, il n'y a pas suffisamment d'eau pour maintenir cette turgescence. Et le fait de réarroser, ben on voit que hop, la turgescence, elle est de nouveau en capacité de la tenir et le plant tomate se redresse et de nouveau peut refaire circuler de la sève. Donc c'est un phénomène de turgescence. Mais malgré tout, donc il y a toute une classification des végétaux en fonction de leur capacité à tenir la tension avant de créer ce que l'on appelle une cavitation. C'est-à-dire, au bout d'un moment, moins 20 bars, on peut imaginer que ça fonctionne, mais peut-être qu'à moins 25 bars, le noyer, ça va pas le faire. Et probablement parce que le noyer, on s'aperçoit que justement, c'est autour de moins 25 bars qu'on a des débuts de ce que l'on appelle des cavitations. Donc imaginez que vous suciez, vous aspiriez de l'eau à moins 20 bars. Donc tant qu'il y a quelque chose qui monte, ça va. Et quand si on a besoin d'aspirer encore un peu plus fort, eh bien le risque, c'est de créer une rupture de ces vaisseaux ou alors de créer simplement un vide d'air dans ces vaisseaux. Vous comprenez ? Et si on a un vide d'air, si on a de l'air qui s'insinue dans cette circulation, le système de pompe ne fonctionne plus. Donc on a ce qu'on appelle une cavitation, donc la perte de la capacité de la plante à utiliser encore ce vaisseau. Donc ça, c'est pas forcément toujours global, mais tous les ans, par sécheresse ou même avec le gel, certaines fois, on a des phénomènes de cavitation dans les vaisseaux. Donc tout à l'heure, je vous parlais des arbres à zone poreuse et des arbres à port diffus. En fait, les arbres à zone poreuse, ils ont tendance à fabriquer des gros vaisseaux et puis après, des petits vaisseaux. Et puis après, ils refabriquent des gros vaisseaux, d'accord ? Et puis après, des petits vaisseaux. Donc quand je dis avant et après, c'est-à-dire qu'au printemps, ils fabriquent ça et puis après arriver l'été, ils vont fabriquer ces petits vaisseaux. Et en fait, les petits vaisseaux sont beaucoup plus résistants que les gros vaisseaux. Et s'il y a une perte dans les petits vaisseaux, ça représente un pourcentage bien moindre que les gros vaisseaux. Les arbres à port diffus ont que des vaisseaux de petite taille. Donc en fait, par exemple, si vous voyez un pommier, vous apercevez qu'on a une homogénéité du bois. Si vous regardez un chêne, on a bois tendre, bois dur, bois tendre, bois dur. Sur un résineux, c'est encore plus évident, bois tendre, bois dur, quoi. Même si sur le résineux, c'est encore un petit peu différent. Mais ça ressemble à ça aussi. D'accord ? Donc ça... C'est des stratégies de vie que ont développé certains végétaux et on s'aperçoit que plus les arbres ont des pores diffus, plus ils arrivent à résister à la tension. Le champion chez nous, c'est le buis. Le buis, on peut penser, ils ont mesuré que le buis était capable de résister à moins 150 bars. Moins 150, mais c'est, moi, je trouve que c'est complètement dément, en fait. C'est-à-dire une énergie telle dans une plante, on imagine, enfin 150 bars, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien il y a dans une centrale nucléaire de pression, mais en tout cas, c'est 150 bars, c'est gigantesque. Et donc, si on, en fait, les champions, c'est les pins symbos aux États-Unis qui vivent en plein désert, là, des déserts qui sont en même temps froids et hyper chauds et arides. Et là, le champion, lui, c'est au-delà de 200 bars. Au-delà de 200 bars. Il y a certains genévriers aussi. Il y a un lien avec la dureté du bois après, parce que vous avez parlé du buis, et c'est un bois qui est très dur, donc est-ce que le bois, plus hein? Il supporte les barres, plus ils vont être durs après, ou ça va rien voir? Probablement. Ouais. Probablement qu'il y a un lien, oui.
Probablement qu'il y a un lien, c'est-à-dire que déjà le lien il est au fait du fait que les arbres à pores diffus sont plus denses généralement que les arbres à zone poreuse. On peut trouver le chêne dense, mais le chêne il n'est pas dense, il est dense mou. D'accord? Alors plus tu tasses les zones molles, plus tu as l'impression qu'il est dense. Mais il est relativement mou, très dense. Enfin, il faudrait peut-être le voir plutôt comme ça, le chêne. Mais par exemple, si on regarde peuplier, le peuplier, c'est quand même un arbre à port diffus, mais par contre, il est mou. Et c'est vrai que on pourrait imaginer, par exemple, le charme qui tient mieux à la sécheresse, lui, il est quand même dur, quoi. Hein, c'est clair. Et le buis, on l'a. Alors, on pourrait créer une analogie. Alors, peut-être on dirait des bêtises, mais c'est une bonne réflexion. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de densité là qui pourrait être. Je pense que c'est pas la seule des choses, mais en effet, oui, en effet, en effet. Puis il y a la capacité aussi des parties vivantes et moins ligneuses à résister à ce genre de choses aussi. Enfin, faut se dire que il y a forcément pas tout à fait la même tension dans une feuille que dans le bois. Tant que c'est pas ligneux, tu peux pas résister à une tension comme ça. C'est pas un tuyau complètement ouvert, il y a des segments avec des pores entre chaque segment. Il y a pas des. Si, ouais. Chaque segment, il y a un port. Oui. Enfin, des séries de pores. Ouais, alors c'est assez paradoxal aussi parce que bon, c'est les vaisseaux, ce sont des cellules allongées et puis en fait les qui sont connectées entre elles en fait, d'accord. Mais on s'aperçoit qu'il y a des vaisseaux chez certains arbres, il y a des vaisseaux qui sont quasiment capables de partir de la base et d'aller jusque au bout. Donc des vaisseaux d'un an. C'est-à-dire qu'il y a des connexions de cellulaires qui se font sur toute la longueur et on a un vaisseau quasiment en direct connecté qui fait du bas en haut en fait, d'accord, sans changement de direction. Donc bah, plus l'arbre vieillit, plus on a ce genre de fonctionnement là. C'est étonnant, hein, d'accord. Mais, alors qu'au début il y a des virages qui sont pris avec des connexions entre les vaisseaux et donc plus ça va, plus on s'aperçoit qu'il y a des vaisseaux qui sont capables de faire la longueur entière. Moi, j'ai pas observé Dixit l'INRA de Montpellier, hein, de Clermont. Ensuite, donc cette sève élaborée, je le disais, elle est déplacée par la consommation des méristèmes en croissance. Ce que j'appelle les méristèmes, on a le méristème primaire sur une pousse, on a un bourgeon, le bourgeon du bout, méristème primaire, c'est la croissance en longueur, d'accord? Et on a le méristème secondaire qui est sur la tige, qui est une croissance en épaisseur, d'accord? Donc le méristème secondaire, c'est le cambium qui fait la croissance en épaisseur. Donc quand je dis alimentation des méristèmes, c'est simplement que la sève élaborée, elle est fabriquée dans ces spots-là et elle est l'énergie de multiplication cellulaire du développement en longueur, mais aussi du développement en épaisseur. Bon, rien de rare, hein, c'est la source d'alimentation de la plante. Et alors, c'est ça qui est dingue, c'est que on s'aperçoit que c'est la consommation d'énergie qui crée la circulation de la sève. Alors ça, c'est particulier. Et donc on peut assez quand même légitimement se demander si une plante à qui on demande beaucoup arrive à quand même avoir des exudats racinaires. Moi, c'est ça la question que ça me pose. C'est que si on demande beaucoup avec beaucoup de fructification, est-ce que la plante est encore capable d'alimenter les micro-organismes qu'il y a dans son sol? Ils n'ont pas su me répondre quand j'ai posé cette question-là, mais ils m'ont dit que quand même les exudats racinaires c'était un puits important de consommation d'énergie de sève élaborée. Mais par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on a un gros volume de fruits, par exemple, on n'a plus rien qui descend, ou quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'on a un arrêt de la croissance racinaire, par exemple. Donc en fait, la croissance racinaire, elle est vraiment sinusoïdale en fonction de la phénologie de l'arbre. C'est-à-dire que c'est pas continu, quoi. Les essais qui ont permis de comprendre ça, c'est que par exemple, si on a une branche avec des fruits ici, et que avant on pratiquait ce qu'on appelle l'annelage, c'est-à-dire qu'on allait enlever l'écorce sur cette partie-là, de manière à ce que toute la sève élaborée, elle aille dans les fruits. Et pas dans les parties en croissance du végétal. On faisait ça pour hâter la maturité des fruits et la densité en sucre. Donc ça, c'était fait principalement sur les tailles très architecturées et notamment sur la vigne.
D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire quand même que même en enlevant un peu l'écorce, pendant un moment, on a quand même une circulation de sève brute. Et c'est juste la sève élaborée qui a plus de circulation et peut plus arriver en amont. Donc elle est consommée uniquement par les puits se retrouvant sur la partie laissée. Donc c'est intéressant de le voir comme ça. Ça veut dire que ça permet de comprendre effectivement que si on a trop de puits, on n'a pas de capacité d'aller vers le bas, puisque mécaniquement elle est quand même produite par les feuilles. Donc elle va redescendre. Et si elle est consommée avant d'arriver au système racinaire, qu'est-ce qui reste ? Sauf si tout d'un coup, le système racinaire se met à pomper plus que les fruits, quoi. Mais il s'avère que, en tout cas, chez la vigne, par exemple, la consommation des raisins et la consommation la plus ciblée, la plante va préférer alimenter le raisin que, par exemple, stocker des réserves. D'accord ? Ça va dépendre du moment de l'année. Le moment où l'arbre, où la vigne est en fruit, c'est peut-être pas le moment où on a besoin de développer la vie du sol. T'as raison. Voilà, à l'automne, on n'a plus les fruits, et là, de nouveau, on va relancer la vie du sol. À l'automne, on finit les fruits. Voilà, on finit les fruits, mais ça va être le début de relancer la vie du sol. C'est génial, parce qu'en fait, c'est exact. Enfin, on va y venir, mais c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses super intéressantes pour nous, gestionnaires des fruitiers. Puisqu'en fait, on est dans la maturation des fruits à l'automne, sur la plupart des fruits quand même. On est la maturation des fruits, mais on est aussi dans un moment de récupération d'énergie. Et donc là, c'est là où il y a à agir en fait, en quelque part.